Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un colis que j'ai reçu. Comme vous savez, la dernière fois, j'avais réussi à trouver un blister du Joker, de Batman et Robin. Et bien aujourd'hui, c'est encore une nouvelle, on va dire, nouvelle figurine sous blister que je me suis fait plaisir, je me suis commandé. Voilà, donc je vais vous la présenter, d'accord, et après on en parle. Voilà, donc on va sortir doucement. En plus, c'est bien protégé. Regardez bien, voilà, je vais faire le suspense. Allez, Batman et Robin. Voilà. Hop, 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 hop. Vous avez bien vu, c'est le Chapelier Fou. Donc attendez, je vais enlever ça. La protection. Donc, hop là, voilà, comme ça. Et bien sûr, j'ai pris celui d'à côté. Je vais juste retirer. Excusez-moi. Voilà, j'ai mis celui à côté, voilà, on va faire la comparaison. Oui, vous aimez bien, il est plus clair que là, il est plus foncé. Là, il a les gants de pas la même couleur. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Si vous voulez que je vous dise. Donc voilà, alors, le blister est juste. Regardez-moi ça, l'état du blister. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Regardez, il est neuf, quoi. Il est complètement neuf. Et pour une fois, j'ai pas eu de problème avec la livraison. Alors, j'ai essayé de regarder la date. À chaque fois, je vous la montre, hein, vous voyez, 97. Bon, je recherchais de Batmobile que je n'ai pas encore, j'espère la trouver un de ces quatre. Et les personnages-là, bien sûr, je les aurai aussi très bientôt, croyez-moi. Mais cette Batmobile, faut que je la trouve, quoi, et je l'ai pas trouvée. C'est celle qui me manque de la série animée. Quand, voilà. Et autrement, regardez-moi ça, c'est aussi, c'est magnifique, j'aime bien. Donc voilà le blister. Je vous dis même la couleur. Bon, là, c'est à l'intérieur parce que oui, quand je l'ai vu, il était plié, mais c'est à l'intérieur que c'est froissé. Mais bon, ça gêne en rien, à part ça. Voilà. Je veux dire, quand même qu'il est 97, les amis. Hein, dans l'état là, quand même, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, je voulais faire un comparatif des deux. Comme ça, vous avez vu, les amis. Si vous avez encore des questions à poser, des commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous fait plaisir que je vous présente maintenant des blisters aussi d'époque? Comme ça, je fais les deux gammes. Comme ça, quand je continue à faire justement un parallèle entre le vintage et les nouveautés, je trouve ça bien, moi. Puis c'est bien présenté, comme ça, voilà. Donc, je suis en train aussi également de commander encore un autre blister, mais là, secret, vous le verrez bientôt, pareil. Je devrais recevoir fin novembre, début décembre. Donc, vous verrez de quel blister il s'agit quand je le recevrai. Oui, comme je vous ai dit précédemment sur les autres vidéos, je commande au moins un ou deux colis par mois, donc voilà. Et voilà où ça en est. Donc je vous dis, il y aura un blister d'ici la fin de l'année, fin novembre, début décembre. Et donc après, je vous ferai une review, hein, voilà, du blister. Donc très content de l'avoir trouvé à un prix encore raisonnable, les amis. Raisonnable le prix, mais bon, ça le prix, ça restera perso. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, commentez, partagez, cliquez sur la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Merci de votre soutien, merci de vos vues les amis, ça me fait plaisir. Et aux nouveaux abonnés, hein, ça me fait plaisir également. Vos commentaires me touchent. N'hésitez pas à poser des questions sur justement cette gamme-ci, s'il y a un truc que vous aimeriez bien que faire spécialement sur une vidéo, n'hésitez pas, je peux la faire. Et en même temps, je vous ferai une petite dédicace dessus. Donc n'hésitez pas à demander. Et je ferai encore d'autres sortes de vidéos derrière. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, bat qui peut te battre.